Nous venons d'assister à la course la plus rapide de l'histoire de Tourist Trophy. Incroyable, Bruce Anstey, le Kiwi, le Néo-Zélandais, le vieux, il vient de faire un nouveau record sur ce circuit. L'année dernière, vous vous rappelez, dans cette même course, la course de Superbike, il a réussi à rouler à 132 miles per hour. Donc maintenant, un nouveau record, la course la plus rapide, c'est gagné par lui. Impressionnant, de moins à plus, il a pu gagner finalement à Ian Hutchinson, qui a été trop fort depuis le début, mais bon, finalement c'est le Néo-Zélandais Bruce Anstey qui a gagné. Voilà le reportage de cette course. Faut voir vraiment comment Hutchinson a foncé depuis le début de la course. Notre première surprise s'est produite à Ballagarré lorsque Guy Martin a dû abandonner à cause des problèmes mécaniques. Il n'a pas de chance Guy, car après avoir changé la Suzuki par la BMW, il n'a pas pu faire de bons résultats, bien qu'aux essais il était très rapide. James Hillier, le plus discret, au dorsal numéro 2, s'est placé en première position de le premier tour et a pratiquement doublé John McGuinness qui était sorti 10 secondes avant lui. Mais comme nous avons dit, Hachi est de retour et après son super TT en 2010 où il avait gagné dans 5 catégories et une année 2014 à oublier aux côtés de Yamaha ou Milwaukee, a fait de très bons résultats toute cette semaine d'essai et s'est placé premier dès la fin du premier tour dans laquelle il a couru une moyenne de presque 131 miles per hour en départ arrêté. Incroyable Hachi que bien que Anstey ne le perdait pas de vue et le suivait seulement à 4 secondes. Michael Dunlop, qui a roulé en BMW après avoir rompu son contrat avec Yamaha Milwaukee en milieu de semaine, est mal sorti mais a remonté pendant le troisième tour en se plaçant à la troisième place derrière Hachi et Anstey. Le quatrième tour fut protagonisé par Anstey qui, avec une moyenne de vitesse de 131,333 miles per hour, est passé devant Hachi après la sortie du pit stop avec 1,5 seconde d'avance. La distance n'a fait qu'augmenter jusqu'au dernier tour, dans lequel il y a eu pas mal d'accidents entre les pilotes placés dans le premier. Gary Johnson est tombé à Goodrich au début de la montagne et Michael Dunlop a percuté un autre pilote dans le dernier virage, une zone assez lente, connue sous le nom de Nook, qui donne accès à un passage sur 200 mètres qui est uniquement ouvert pendant le TT. James Hillier profita de cette chute pour se placer en troisième position. Au final, Anstey en première place et 11 secondes après est arrivé Hachi qui s'est plaint du manque de rythme dans la compétition. Il essayera sûrement de prendre sa revanche demain pendant la course de Superstock. En troisième position, Hillier, voilà le podium de Superbike. Si quelqu'un était content au paddock, c'était surtout le Kiwi Bruce Anstey qui finalement, après 71 courses, a réussi à sa première victoire en Superbike. Avec cet été, c'est sa 10e victoire et se met à égalité avec le mythique Giacomo Agostini en réalisant son 32e podium. Attention aux Néo-Zélandais. Anstey le mérite car l'année dernière, il a été très rapide et n'a obtenu aucune récompense bien qu'il réussissait à surmonter la barrière des 132 miles per hour. Trois leaders différents dans la première course, Michael Dunlop par terre. Cette édition du TT promet énormément et ne fait que commencer. En ce qui concerne le pilote de martimotos.com, on a pu assister à une incroyable performance de Peter Hickman qui a été capable de finir en 8e position alors que ce n'est que sa 10e participation dans cette course. Sans doute favorisé par la chute de Michael Dunlop et Gary Johnson et l'abandon de Connor Cummins et Guy Martin. Mais le tout c'est d'être là au bon moment et ça c'est la spécialité de Peter. Paul Schmidt, très touché par la perte de Fran Petricola, est arrivé dignement en 28e position et notre newcomer italien Marco Pagani a été capable de rouler dans une moyenne de 119 miles per hour, ce qui veut dire que si tout va bien, il pourrait surmonter à 120 miles per hour et rentrer pour sa première année dans le club select de TT Riders. Fran Petricola est très présent dans nos souvenirs. Aujourd'hui, ça aurait été sa première course, mais malheureusement, comme vous le savez, il n'a pas pu être ainsi. Une grosse pensée pour lui dans ces moments très touchants. Plein gaz, Frank. Plein gaz. Yeah, the race was really good. We've had a lack of practice, but we finally got out for a really nice day today. And the bike's been working really good actually. So we had a really good race, finishing eighth, which I'm over the moon with.
still only a Superstock bike, we're only in the Superbike race, so really, really happy with the top 10. And the Briggs Equipment bike with Lee Hardy Racing has been working really good. Yeah, I was quite nervous going out for obvious reasons today. And I went out on the first two laps, with it being a six lap race, obviously it's split into three parts, two laps, then a pit stop, then the third and fourth lap, and then a pit stop, and then the fifth and sixth. The first two laps were quite difficult. I was making some silly mistakes, nothing dangerous, but my mind was wandering, shall we say. Third lap, it's nice to get to the halfway mark of the race and then you know you're on the home run. After the third lap, the fourth lap, I started to pick my pace up, started to enjoy my race. Fifth lap, really enjoying it. And into the sixth lap, I knew I was catching people and I was riding like I should be riding. È stato veramente emozionante partire per la prima volta dal cancelletto di una gara vera del Tourist Trophy, passare sotto il cancello Monster e fiondarmi giù per Bray Hill. Ero anche un po' titubante perché abbiamo deciso di partire con un assetto della moto alla cieca, come vi ho detto ieri, e scoprendo solamente nel primo giro se la moto era veramente un passo avanti rispetto alle prove di due giorni fa. Così è stato, abbiamo fatto, il mio team ha fatto veramente un gran lavoro guardando tutti i dati acquisiti delle prove passate, la moto andava veramente meglio. Sono riuscito a tenere un buon ritmo e a fare un giro in 119.2 miglia orarie, che migliora di 2 miglia orarie il miglior tempo che avevo fatto col 600 lo scorso anno al Manx dopo due settimane.